Mes chers collègues, mesdames, messieurs, des forêts profondes, des châteaux enchantés, des monstres, des demoiselles en détresse, des héros au grand cœur, des amours sans limite. La littérature du Moyen Âge a de quoi séduire les imaginations enfantines et adolescentes. Mais peut-elle davantage? Et cette séduction même l'exerce-t-elle encore? Aux amours d'abeilles, des Clarides et de Georges de Blanchelande, à la magnanimité du roi des nains, Anatole France prétend que sa jolie petite voisine préfère les romans scientifiques, où elle peut lire la description de la sèche, Sepia officinalis. Certes, Abeille, dont j'évoque ici le prologue, n'est pas un vrai récit du Moyen Âge. Certes, ce prologue cède à la facilité complaisante. Certes, l'idée que l'auteur se fait et des légendes médiévales et de la science positive est fort datée. Mais tout de même, si le seul roman palpitant est celui des sciences de la nature en marche, que nous reste-t-il à nous qui prétendons ranimer des rêves évanouis? Nos collègues, les vrais savants, nous aurons dans ce cas vraiment tout pris, et c'est par une générosité ou une indulgence excessive qu'ils nous font encore parmi eux une place. Cette place a au moins pour elle l'ancienneté. Une chaire de langue et littérature française du Moyen Âge a été créée au Collège de France pour Paulin Paris en 1853. Elle a conservé cet intitulé pour son fils Gaston Paris, puis pour Joseph Bédier, et après avoir reçu pour Mario Roch celui d'histoire du vocabulaire français, elle l'a retrouvé pour M. Félix Lecoy. En outre, de 1876 à 1906, la chaire de langues et littérature de l'Europe méridionale, dont M. Harald Weinrich est aujourd'hui l'héritier, a été occupée par Paul Meyer, dont l'essentiel des travaux portait en fait sur la philologie française et occitane. Enfin, il a existé de 1925 à 1954 une chaire de littérature latine du Moyen Âge, celle d'Edmond Farrall. Encore ne dit-on rien ici de la place prépondérante des études médiévales dans les activités de la chaire de langues et littérature celtiques, occupée au tournant du siècle par Henri Darbois de Jubainville puis par Joseph Flotte, et dans celle de la chaire de langues et littérature d'origine germanique, particulièrement sous l'impulsion d'Ernest Tonla et de Fernand Mossé. Nous ne disons rien non plus de l'intérêt manifesté pour la littérature par des médiévistes d'autres disciplines, comme Étienne Gilson, ou comme ceux qui illustrent l'enseignement de l'histoire du Moyen Âge, en particulier M. Georges Duby et aujourd'hui M. Pierre Toubert. En un mot, pour revenir et pour s'en tenir au domaine du français, de l'occitan et du latin, la philologie et la littérature du Moyen Âge ont été enseignées sans interruption au Collège de France de 1853 à 1974 et parfois simultanément dans plusieurs chaires. Et par quel maître? Gaston Paris, le père de nos études, capable, notait Francesco Novati, de rendre séduisant et clair le sujet le plus complexe et le plus aride. Son alter ego et sa conscience, le sévère Paul Meyer, marquant chaque faute d'un coup d'ongle incisif, comme Anatole France, toujours lui, le décrit par la bouche de son Sylvestre Bonnard, mais fort de cette rigueur, apportant aussi, en faveur de Dreyfus, un témoignage décisif auquel Proust rend dans Jean Santeuil un magnifique hommage. Le brillant, le séduisant, le subtil Bédier, dont l'adaptation de Tristan et Iseult fait à demi par jeu, aura été une des œuvres littéraires marquantes du siècle qui s'achève. Edmond Farrall, qui fut administrateur de cette maison, M. Lecoy, à la science inépuisable, ironique et bienveillant, qui nous a appris à mettre tous nos soins à ce que nous faisons, sans pourtant nous en exagérer l'importance, car c'est là l'élégance et la raison. Oui, l'enseignement des littératures de la France médiévale qui renaît aujourd'hui peut se réclamer d'une longue tradition et d'une tradition écrasante si l'on songe à la qualité de tous ceux qui s'y sont voués par le passé.
Cette longue tradition ne serait certes pas en soi une raison de le conserver ou de le restaurer si elle n'avait pas à voir avec son objet même. Dans les lettres médiévales se cristallisent toutes les associations entre le passé et la littérature, tous les indices qu'un lien essentiel unit la notion de littérature au sentiment du passé. La curiosité qu'a éveillée la littérature du Moyen-Âge depuis sa redécouverte à l'aube du romantisme suppose de telles associations. Les formes de cette littérature elle-même recèlent de tels indices. Ils invitent à embrasser d'un même regard l'intérêt de l'époque moderne pour le passé médiéval et les signes du passé dont le Moyen-Âge marque sa propre littérature. Bien plus, ils invitent à chercher dans la relation avec le passé un critère de définition de la littérature, tâche tout particulièrement nécessaire s'agissant d'une époque où le mot ne s'entend pas dans son acception moderne et où l'existence même de la notion correspondante n'est pas assurée. La meilleure raison de poursuivre cet enseignement vieux de 150 ans est que son objet n'existe peut-être pas. Feignons pourtant qu'il existe. Nous en avons le droit. Certes, le mot « literatura » désigne soit la grammaire, soit la lecture commentée des auteurs et la connaissance qu'elle procure, mais non l'ensemble des œuvres. Certes, les langues vulgaires ne possèdent aucun terme générique de l'activité et de l'œuvre littéraire. Mais il existe bien cependant, au Moyen-Âge, une conscience d'une telle activité et d'un corpus des œuvres. Sur le versant de la latinité, le mot « literae » au sens de « culture littéraire », la réflexion continue appliquée à la nature et à la légitimité des belles-lettres, la permanence depuis l'Antiquité d'un canon des auteurs, la pratique systématique des emprunts et de l'imitation, tout cela le montre. Du côté de la production en langue vulgaire, où la situation est plus ambiguë, un ensemble de poèmes canoniques, lui aussi à sa façon, continue assez tôt le répertoire obligé des jongleurs. Chrétien de Troyes énumère au début de Cligès ses œuvres précédentes en mêlant traductions d'Ovide et romans bretons, comme si l'unité de l'écriture prévalait à ses yeux sur la disparate des sujets et des sources. Les troubadours ne cessent de se répondre et de se citer, marquant par le jeu de l'intertexte les contours clos et identifiables d'un domaine de la poésie. Les entreprises systématiques d'adaptation ou de traduction des chansons de geste et des romans français en allemand ou en norrois au XIIIe siècle, comme plus tard leur circulation et leur réfection constante, suggèrent aussi une vision synthétique de la production littéraire. Si l'on admet que la littérature médiévale existe, son caractère le plus frappant au regard de la littérature européenne prise dans son ensemble est d'en être le début. Un début absolu, d'une certaine manière, quand elle trouve son expression dans les langues romanes qui viennent alors de naître. Un début qui paraît supposer à tout instant une préhistoire inaccessible sous la forme de productions orales ou d'un substrat mythique dont nous croyons discerner les traces ou les épaves. Un début qui n'en est pas un, puisque cette littérature hérite sans solution de continuité des lettres antiques, fait de leur imitation un de ses principes fondateurs, et puisque le latin garde en son sein une place vivante et privilégiée. Cette naissance et cet héritage sont les traits qui ont d'abord retenu l'attention. Une littérature nouvelle dans des langues nouvelles, une littérature à l'école des lettres latines, partiellement écrite en latin, mais dont l'originalité irréductible n'est jamais aussi sensible que quand elle prétend reproduire des modèles antiques. La belle découverte est que voilà du nouveau, plus qu'on ne pense. Même le terme de Moyen-Âge, qui définit l'époque non en elle-même, mais négativement ou en creux au regard de celle qui la précède et de celle qui la suit, même ce terme qui apparaît au XVIIIe siècle est significatif d'une représentation historique des lettres et des arts. Et il est d'autant plus qu'il s'est substitué à des expressions comme les temps barbares qui expriment un jugement de valeur.
L'Antiquité a pu servir de modèle au classicisme français et européen dans l'hypothèse d'une permanence des formes de l'esprit et du goût. Le Moyen Âge a retenu l'intérêt du jour où l'attention s'est portée sur les changements qui affectent ces formes, de façon à en déduire une réflexion sur l'esthétique et sur l'histoire. Ce n'est pas un hasard si le premier à réellement penser le Moyen Âge au sein d'une philosophie d'histoire et d'une esthétique est Hegel. Auparavant, Vico avait vu dans l'imagination poétique la marque de l'enfance, celle des civilisations comme celle des individus, et Herder, à sa façon brouillée et parfois contradictoire, avait conféré à la poésie du Moyen Âge un enjeu considérable dans le développement linguistique, artistique et national des peuples européens. Il donnait ainsi une assise théorique à l'attrait, enfin, si on peut parler de théorie à propos de Herder, à l'attrait qui, depuis Percy et Macpherson, s'était manifesté dans toute l'Europe pour les anciennes traditions poétiques. Tradition poétique, tout est dans cette expression. Le passé, qui suppose, pour être perçu comme tel, une rupture, et la continuité. L'association entre la poésie et quelque chose qui touche au primitif. Le génie national et l'âme collective de chaque peuple s'incarnent et s'expriment, selon Herder, dans les manifestations spontanées de son art qui marquent les débuts de son histoire et survivent là où les influences extérieures et savantes n'ont pu pénétrer. D'où l'intérêt conjoint pour la poésie du Moyen Âge et pour la poésie populaire qui se manifeste en Allemagne, chez Herder lui-même, bien que sa notion du Volkslied soit bizarrement éclectique, mais aussi et surtout chez Brentano, un peu moins chez Arnim, chez Uhland, chez les frères Grimm, bien entendu, ou encore, sans prétention scientifique, mais avec l'acuité de l'ironie et de la sensibilité, chez Heine. Mérimée a parfaitement et plaisamment rendu cette combinaison en peignant le professeur Wittenbach, le narrateur de Lochis. En France, la ville marquée exhibe, comme par miracle, des chants populaires bretons qui sont le décalque exact du lait du Laoustic de Marie de France ou de la rencontre entre Perceval et le chevalier dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes ou de la rencontre de Perceval et de sa sœur dans la seconde continuation. Faut-il donc passer par le romantisme et par le romantisme allemand pour en venir aux littératures de la France médiévale? Oui, il le faut. Ce sont les conceptions hérités de Herder, qui ont confié aux études de philologie et de littérature médiévale la responsabilité de définir l'identité des peuples de l'Europe, et dans les deux sens du mot identité, ce qui les distingue et ce qui les unit. Car ce qui les distingue est la capacité plus ou moins grande à garder, avec leur génie primitif, la trace primitive de l'unité originelle, paradisiaque et perdue, qui était celle de l'humanité à ses débuts, selon Herder. C'est cette théorie qui a fondé l'association, aujourd'hui encore profondément ancrée, entre le Moyen Âge et le folklore. C'est elle qui a soutenu l'enthousiasme du goût et celui de la philologie pour une poésie perçue alors comme naïve. Ce sont ces idées qui accompagnent dans la France du XIXe siècle l'intérêt conjoint pour le romantisme allemand et pour les nouvelles méthodes philologiques pratiquées dans les universités allemandes. Pour parodier Martianus Capella, les études médiévales sont nées des noces du romantisme et de la philologie. C'est cette combinaison qui pousse les premiers médiévistes français à tourner leur regard vers l'Allemagne et à déplorer que l'étude de notre ancienne langue et de notre ancienne littérature y soit plus développée qu'en France. Le 20 mars 1852, Paulin Paris, conservateur adjoint des manuscrits de la Bibliothèque nationale, rédige une note pour demander la création d'une chaire de langue et littérature française du Moyen Âge au Collège de France. Et voici son premier argument, je le cite. Cette langue et cette littérature ont, comme on le sait aujourd'hui dans toute l'Europe, le pas et la prééminence sur toute la littérature néo-latine.
Les chroniqueurs, les poètes, les prosateurs français ont inspiré les plus beaux génies de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et de la Belgique. Et la France seule a l'air de décliner l'hommage que tout le monde rend à son génie d'initiative littéraire en excluant de l'enseignement supérieur cette grande et curieuse source d'études. Paulin Paris s'ajoute dans la suite de la lettre qu'il ne serait pas indigne d'occuper lui-même cette chaire si elle était créée. Il obtiendra, on le sait, satisfaction sur les deux points. Et quelques années plus tard, il envoie son fils et son futur successeur, Gaston Paris, étudier à Bonn auprès du romaniste Friedrich Dietz. C'est trop prêté, malgré tout, au romantisme et à l'Allemagne, objectera-t-on. À l'époque des Lumières, une sorte de patriotisme italien anime déjà les recherches médiévales de Muratori. Quant à la France, l'intérêt pour l'histoire, les mœurs, mais aussi les lettres médiévales ne s'y est jamais complètement éteint, de Fauchet à Ducange. Dans le courant du XVIIIe siècle, l'Académie des inscriptions et belles-lettres encourage des travaux consacrés au Moyen-Âge, au premier rang desquels figurent ceux de la Kurne de Sainte-Palaye. On sait l'abondance du fonds médiéval dans la bibliothèque des romans. On sait l'importance que l'esprit des lois accorde à la législation franque et carolingienne dans la constitution du droit français. On sait que le génie du christianisme, qui voit dans le Moyen-Âge les seuls temps poétiques de notre histoire, propose un modèle médiéval et chrétien dont la coloration idéologique est déjà sensible dans telle nouvelle de Baculard d'Arnaud, dans tel roman de Madame de Genlis qui habille d'obripeaux médiévaux les malheurs de l'émigration. Pour ne pas parler d'œuvres plus illustres, en 1826, l'académicien Parseval, presque Perceval, publie un Philippe Auguste, poème héroïque en 12 chants, dans le premier desquels le traditionnel conseil des dieux est remplacé par un conseil des fées, présidé par Mélusine, méchante fée d'ailleurs, anti-française et pro-anglaise. Mais cette trouvaille donne le ton du poème. C'est une épopée à l'antique, dont le sujet est médiéval, l'équivalent d'une Franciade ou d'une Henriade. Malgré les scrupules d'érudition de l'auteur, l'époque représentée n'influe guère plus sur la forme littéraire que dans le Cid, ou dans Attila, dans Zahir. Est-ce parce que le lamentable Parseval est un attardé néoclassique, n'est-ce pas, un chauve de la bataille d'Hernani? Mais pas du tout, parce que, après tout, trouve-t-on un reflet de l'art littéraire médiéval dans les burgraves? La poésie propre à chaque époque du passé colore-t-elle de façon différente les pièces successives des poèmes antiques et modernes ou de la légende des siècles? Un peu, mais si peu. Le Moyen-Âge pourra bien fournir des thèmes d'inspiration au romantisme français, il en va ailleurs dans d'autres pays. Mais l'idée, pourtant très répandue, que ces monuments littéraires livrent l'essence brute et pure de la poésie et qu'ils peuvent à ce titre se comparer à l'art populaire, n'aura pas, dans les faits, une influence très profonde. Aussi bien, elle sera vite tournée en ridicule. Dans la première éducation sentimentale, le jeune Flaubert écrit d'un de ses personnages, écrivain en herbe, lecteur, nous dit-il, de Schelling et de Herder, mais revenu à de plus saines conceptions. Il relut ce qu'il pouvait comprendre des bardes et des trouvères, et il s'avoua franchement qu'il fallait être drôlement constitué pour trouver tout cela sublime. En somme, il fit bon marché de tous les fragments de chants populaires, traductions de poèmes étrangers, odes de cannibales, chansonnettes d'Esquimaux et autres fatras inédits dont on nous assomme depuis 20 ans. La connaissance toujours plus approfondie et plus précise de la littérature médiévale que permettront à la fin du siècle les progrès de la philologie conduira à récuser de telles associations. Mais ces progrès eux-mêmes auront sur le moment peu d'influence sur la réflexion esthétique. Gaston Paris estime que la place de la littérature médiévale dans l'enseignement, je le cite, « doit rester sagement restreinte, car, je le cite toujours, elle ne répond pas aux exigences du goût classique. » Il est pourtant constamment attentif à marquer la place de sa discipline au sein des sciences historiques et dans la perspective de l'histoire, constamment soucieux aussi, dans l'esprit de son temps, de voir l'histoire littéraire s'imposer comme une science au détriment de la rhétorique. Mais
il ne va pas jusqu'à inclure l'esthétique dans le champ de sa réflexion historique. Il s'intéresse trop, diront ses successeurs, aux rencontres entre la littérature du Moyen-Âge et la poésie populaire. Il est fort sensible au charme de cette poésie populaire où il voit, je le cite encore, l'expression fidèle et spontanée du génie français. Mais il ne cherche guère à fonder en théorie cette rencontre et cette admiration. Pour lui, comme 60 ou 80 ans plus tôt pour l'obscur Parseval, le Moyen-Âge peut être un objet d'étude, voire d'inspiration, mais ses formes poétiques ne sont nullement un modèle. La profondeur historique du passé littéraire nourrit peu, en tant que telle, sa réflexion sur l'essence de la poésie. Gaston Paris est encore marqué par les conceptions romantiques qui inspirent ses théories sur les cantilènes épiques ou sur l'origine indienne des fabliaux. Enfant de la critique positive, habitué à ne fonder d'hypothèses que sur des textes précis, ses successeurs immédiats lui sont fidèles en s'opposant à lui. Joseph Bédier soutient dans tous les domaines des thèses opposées aux siennes qui toutes mettent l'accent sur le caractère délibéré de la création littéraire et sur le rôle décisif que jouent dans l'apparition et l'évolution des formes poétiques les individus particuliers, les grandes personnalités, le génie. Cette attitude ne se fonde pas seulement sur la volonté de ne prendre en compte que les documents conservés et sur le refus des hypothèses invérifiables qui fondent la foi dans l'existence d'une tradition orale continue, par définition insaisissable. Elle reflète aussi, de la part de l'homme qu'était Bédier, un homme doué d'une exceptionnelle sensibilité au texte. Elle reflète l'affirmation d'une certaine conception de la poésie. Mais cette conception est datée, elle aussi. C'est celle du premier XXe siècle, qui tend à glorifier, voire à sacraliser le poète, tout en prêtant à la poésie une extrême conscience de soi, marquée par le travail qu'elle impose. Une telle conception suppose, elle aussi, une permanence des valeurs esthétiques, à travers celle du génie et du labeur poétique, et elle n'a pas essentiellement le souci d'intégrer une réflexion sur le temps comme facteur constitutif de ces valeurs. On mesure par contraste, et sans être guidé le moins du monde par le goût de la provocation ou l'amour du paradoxe, l'originalité qui était celle de la position romantique. On soupçonne la fécondité qu'aurait pu avoir si elle avait pris corps, ce qui naguère était le cas malgré l'exemple, mais vraiment trop atypique, de Benedetto Croce, une réflexion des médiévistes sur le troisième âge de l'esthétique hegélienne, l'âge romantique, l'âge de la subjectivité, apparu avec le christianisme et dont le Moyen-Âge marque la vraie naissance. On se surprend à regretter de ne pouvoir adhérer à la vision romantique du Moyen-Âge, pourtant erronée à peu près en tout point. Car l'intérêt que cette forme de pensée porte au passé médiéval est bien historique, puisque ce qui est en cause, c'est l'interprétation de l'histoire des peuples. Mais la théorie historique se fonde ici sur le poétique. En un sens, c'est lui qui éclaire l'histoire et non l'inverse. L'intelligence de l'histoire passe par la philologie, par l'attention prêtée à la formation de la langue et à la naissance de la littérature, par la réflexion sur le langage et sur l'esthétique. Mais il est bien vrai que cette réflexion, fondée sur la croyance qu'en remontant dans le passé, on trouve le peuple, cherche l'essence de la poésie dans ce qui est en elle élan originel, premier, élémentaire, jaillissant de profondeurs enfouies avec toutes les associations du simple et du primitif, de l'ancien et de l'archaïque, dont se moque Flaubert. Oui, l'étude des littératures médiévales avait en ce temps un véritable enjeu, comprendre l'esprit des peuples et la nature de la poésie.
Les premières manifestations des littératures de l'Europe prenaient dans cette perspective une importance extrême, plus grande en un sens que leur développement ultérieur, puisqu'elles étaient supposées refléter un état de l'art où le génie n'a pas encore été érasé par le goût. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Qui croit encore que l'identité nationale des peuples se révèle dans leurs premières productions artistiques et que celles-ci sont collectives et spontanées ? Personne. Qui qualifierait de populaire la littérature médiévale ? Personne. Le développement de la philologie a eu tôt fait de dissiper les illusions romantiques qui l'avaient encouragée. Et pourtant, même alors, l'enjeu de ces études n'a pas semblé s'évanouir. L'intérêt qu'elles éveillaient n'a pas faibli. Pourquoi ? Pourquoi la fascination exercée par ce passé littéraire a-t-elle survécu au fondement philosophique qu'il avait suscité et qui la justifiait ? Parce que sur les débris de la pensée romantique se livraient alors des querelles nationales et que dans cette période de conflit franco-allemand, chaque nation cherchait une supériorité dans l'antériorité ou dans la prééminence de sa littérature. Ces préoccupations ont existé, c'est vrai, et parfois chez les plus grands médiévistes, mais on aurait grand tort de les exagérer. On invoquerait plus justement, peut-être ici comme dans tous les domaines, la foi positiviste dans la connaissance pour elle-même et la conviction, peut-être injustifiée après tout, que tout ce que l'on peut savoir mérite d'être su. Mais la question posée ne s'en trouve pas résolue. Pourquoi a-t-on cherché, avant toute chose, à connaître ce qu'il y avait avant ce que l'on connaissait déjà ou que l'on croyait connaître ? Pourquoi cet intérêt presque exclusif pendant des décennies pour la question insoluble des origines, origine des chansons de gestes, des formes lyriques, de l'amour courtois, source des romans bretons ? On pourrait certes invoquer la tendance constante à chercher en tout commencement, commencement de l'univers, de la vie, de la civilisation, une clé de nous-mêmes et dans le passé une justification de nos choix, comme s'il était en résonance avec notre passé personnel et notre propre enfance. Et il est vrai que le Moyen-Âge, qui a si étroitement partie liée avec l'enfance, a été depuis deux siècles embrigadé sous des bannières idéologiques variées. Mais au-delà de cette réponse trop générale, trop facile, un examen des ressorts sur lesquels la littérature médiévale fonde ses effets ferait sans doute apparaître que la préhistoire de la littérature est avant tout une création en trompe-l'œil de la littérature elle-même. Ce sont les textes eux-mêmes qui mettent leurs lecteurs sur la fausse piste de leurs antécédents. Ce trompe-l'œil existe probablement à toutes les époques et dans tous les systèmes littéraires. Il répond à une nécessité esthétique et à une attente de l'esprit. Mais le Moyen-Âge, époque effectivement marquée par les signes du commencement, par l'angoisse de la rupture et le souci de la continuité, le Moyen-Âge joue de cet effet avec prédilection. Le romantique, en quête des racines d'une identité collective, le philologue à la recherche de sources positives, l'anthropologue sur la piste des formes primitives de l'art et de l'imaginaire, tous ont trouvé dans la littérature médiévale un domaine d'autant plus prometteur qu'elle leur tendait depuis des siècles un miroir prêt à leur renvoyer leurs propres illusions. Illusions vraies, pourtant, puisque ces fausses perspectives sont réellement ménagées par cette littérature. Cette proposition est la première que je voudrais rapidement avancer à présent. La seconde est que cette illusion vraie, cette illusion où se révèle la nature de l'objet qui la suscite, s'offre également à l'ethnologue et au folkloriste. De sorte que l'association tenace entre la littérature du Moyen-Âge et le folklore est tout autre chose qu'une survivance déplorable de la pensée romantique. Si toutes les conjurations ont depuis un siècle été impuissantes à la dissiper, c'est pour d'excellentes raisons, mais non pas toutefois parce que le folklore, quelque nom qu'on lui donne ou quelque réalité qu'on place sous ce nom, livrerait une sorte d'explication de la littérature médiévale. Et la troisième proposition est qu'il est dans la nature même de la littérature de produire cette illusion au point qu'il est permis de chercher là un critère de sa définition. Que la littérature du Moyen-Âge se réfère constamment à son propre passé, c'est l'évidence. Qu'elle tisse
elle-même, cette toile de fond devant laquelle elle prend la pose, qu'elle donne l'apparence de la profondeur à un décor qu'elle-même a peint, voilà qui paraît une supposition arbitraire. Car enfin, le vaste domaine latin de cette littérature prolonge réellement les lettres antiques, païennes, bibliques, patristiques, et se présente à juste titre comme leur descendance, en même temps qu'il en assure la conservation vivante. Il en va de même des pans entiers de la littérature vernaculaire qui sont calqués sur des modèles latins. Et quant aux formes nouvelles qui, à la suite de l'apparition des langues romanes et de leur accession au domaine de l'écriture, émergent sous nos yeux de la fin du IXe à la fin du XIe siècle, pour connaître ensuite l'épanouissement que l'on sait, eh bien, il serait aussi déraisonnable de nier leur ancrage dans une tradition qui nécessairement nous échappe pour une large part que de les réduire à l'émergence dans l'écriture d'une telle tradition. Mais considérons les choses sous un angle différent. Pourquoi sommes-nous sans cesse conduits à supposer qu'une tradition nous échappe? Pourquoi, remontant de texte en texte jusqu'au plus ancien, avons-nous toujours le sentiment d'être laissés sur le seuil de l'énigme? Parce que les textes multiplient les indices qui font naître en nous ce sentiment. Ces indices, ils ne les laissent pas échapper, ils les sèment et les dispose de façon à en soumettre les effets aux exigences d'une poétique qui est de leur temps et non pas héritée du passé. Il en va ainsi de bien des manifestations du lyrisme roman dont les origines ont tant intrigué et où le contraste entre la savante poésie courtoise et la simplicité des chansons dites de femmes a tant frappé. On a vu dans ces chansons de femmes les vestiges d'une tradition ancienne, issue des profondeurs du peuple, et que l'art nouveau, exigeant, compliqué des troubadours aurait recouverte avant d'en laisser ressurgir des bribes. Peut-être est-ce vrai. Ce qui est en revanche certain, c'est que l'art littéraire médiéval prend grand soin d'obtenir des effets de contraste en conférant à une part de la production lyrique les marques de la simplicité et de la rusticitas, et qu'il fournit pour cela des indices qui associent cette production au passé. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, on voit à chaque moment de la littérature, en strates synchroniques successives, le système poétique intégré dans son fonctionnement global des chansons constamment marqué des mêmes signes qui les opposent au reste de la poésie, le reste de la poésie qui se soucie de raffinement et de nouveauté. Et quels signes? Ceux du fragmentaire et ceux du discontinu, qui produisent deux effets. Celui de la citation, la chanson n'existe qu'entre des guillemets savantes, celui de la trace, le fragment est immanquablement perçu comme un vestige d'un ensemble disparu. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, la formule doit être entendue à la lettre. Parmi les plus anciens textes conservés en langue romane figurent des fragments de chansons cités dans des poèmes tout différents, écrits dans une autre langue. On a reconnu les harjas qui concluent les muachas andalous, les poèmes arabes de l'arabe andalouse, et dont certaines de ces harjas, certaines de ces pointes finales, ne sont pas comme le reste du poème en arabe ou en hébreu, mais en dialecte mozarabe, dans la langue romane de la population indigène, celle des chrétiens d'Espagne. Toutes ces harjas mozarabes font entendre, apparaissent comme des fragments de chansons de femmes, font entendre en quelques mots la plainte d'une jeune fille amoureuse. « Ô toi qui es brun, ô délice des yeux, qui pourra supporter l'absence, mon ami ?» Tout rend le contraste extrême entre le poème et cette pointe finale. Le changement de langue, le changement de style, le poème lui-même est très complexe et d'un style très élaboré. Le changement de sujet, tous ces poèmes ne sont pas des poèmes d'amour, sont souvent des panégyriques. Mais c'est le contraste qui met en valeur l'à-propos de la citation. Plus la distance entre le poème et sa harja est grande, plus il a fallu au poète d'ingéniosité et d'esprit pour oser le raccourci d'un rapprochement à la fois pertinent et audacieux. La harja qui clôt et qui fonde en même temps métriquement et musicalement ce poème nouveau, brillant, complexe, doit paraître
fragmentaire, balbutiante, venue du fond des âges et du fond de l'âme, d'une simplicité insistante, surdéterminée, celle d'une langue qui n'est pas une langue de culture, celle d'une poétique rudimentaire, celle de la jeune fille ignorante, naïve, qui fait entendre sa voix. On ne peut pas chercher à reconstituer un passé dont ces harjas romanes seraient à la fois l'aboutissement et les monuments. Elles émergent d'un univers qui nous échappe. Certaines ont été à l'évidence remodelées, sinon inventées, par le poète arabe qui les cite. Mais elles trouvent leur place à l'intérieur d'une poétique qui les utilise en jouant de la citation fragmentaire et de la distance culturelle pour leur donner la coloration d'un art traditionnel contrastant avec un art savant. Or, loin d'être unique, ce type d'effet reparaît constamment dans la suite du Moyen Âge et à l'intérieur même de la Romagna. Au début du XIIIe siècle, c'est sans doute lui qui a fait le succès et le succès limité des chansons de toile, avec leur petit air ancien, leur strophe analogue dans sa simplicité à la laisse épique, leur narration elliptique et raide, et cette grave jeune fille qu'elle montre plus habile aux travaux d'aiguille qu'aux artifices du discours amoureux et qui ne sait que s'offrir en silence à un séducteur nonchalant. Tous ces caractères les opposent au lyrisme courtois, mais certains détails, un trait de mœur, une mélodie soudain fioriturée, une imitation un peu bien appuyée du style épique, laissent soupçonner un archaïsme forcé. Et le malicieux romancier Jean Renard prend grand soin de mettre en évidence à la fois leur ancienneté et leur caractère démodé, lorsqu'il l'en insère dans son roman de La Rose ou de Guillaume de Dôle, il les fait chanter par une vieille châtelaine enfouie au fond de sa province, qui dit elle-même « c'était autrefois que les dames et les reines avaient coutume de faire de la tapisserie en chantant des chansons d'histoire. » Et en contrepoint, à la cour, le jongleur de l'empereur en chante une sorte de pastiche outrée et vaguement grivois. Il est vraisemblable que ces chansons se rattachent en effet à une tradition ancienne. Mais il est surtout visible qu'elles revendiquent les caractères de l'ancienneté, de la simplicité, voire de la maladresse. Dans le premier tiers du XIIIe siècle, un public habitué à la sophistication du grand chant courtois leur a trouvé du charme. Le charme de l'archaïsme dont elle joue, le charme du fragmentaire qui lui est lié et qui s'exerce à travers leur laconisme mystérieux et leur ton entendu. Entendu, c'est-à-dire déjà entendu. Et qu'est-ce qu'une chanson, sinon un ton entendu ou un air entendu? On a là, à l'échelle d'un ensemble de formes lyriques qui s'équilibrent en contraste, les mêmes effets esthétiques qui existaient trois siècles plus tôt à l'intérieur du Moisha. La seule différence est que l'opposition des cultures et des langues, qui a disparu, est remplacée par l'insistance sur la profondeur du passé. Simplicité, tradition, archaïsme, ancienneté, naïveté sont des notions qui commencent à être associés. Poursuivons encore et enfin. Des chansons conservées dans des recueils de la seconde moitié du XVe siècle ont souvent été désignées comme populaires. Les manuscrits sont soignés, voire luxueux. Formellement, beaucoup de ces chansons sont peu différentes de celles qui, à la même époque, soutiennent des polyphonies de la cour de Bourgogne. Ce sont parfois, souvent même, les mêmes. Thématiquement, elles sont dans la continuité des genres lyriques cultivés par les trouvères. Alors qu'ont-elles de populaires? Pourquoi a-t-on décrété que c'était des chansons populaires? Ce qu'elles ont de populaire, c'est seulement de poursuivre précisément cette tradition des trouvères, tradition savante s'il en est, mais tradition déjà ancienne et abandonnée par la poésie de cour de leur temps, avide de nouveautés rhétoriques, métriques, linguistiques, musicales. En contraste avec ces nouveautés, ces chansons à la façon d'il y a longtemps, ces chansons strophiques, monodiques, avec des jardins printaniers, des rossignols, des roses cueillies, des bergères, ces chansons joignent la simplicité à l'évocation du passé. Elles sont parfois mutilées
parfois incohérentes. Elles paraissent des vestiges en même temps qu'elles privilégient un univers rustique. Elles contiennent de menus archaïsmes de langue qui plus tard paraîtront caractéristiques de la littérature populaire. Elles invitent ainsi à la confusion entre tradition ancienne et enracinement populaire, donnant l'illusion d'une plongée rafraîchissante dans un passé campagnard. Elles compensent et équilibrent l'aridité tendue de la poésie savante de leur temps. Et il ne faut donc pas s'étonner de les voir recueillies dans de beaux manuscrits, puisqu'elles sont le complément nécessaire de la poésie de cour et qu'à ce titre, elles lui appartiennent. Et il serait aisé, je ne le fais pas, de poursuivre jusqu'à l'époque moderne. Faut-il invoquer Marot qui associe jeunes amours et vieilles chansons, et une chanson simple? La chanson est, sans en dire le son, « Allégez-moi, douce, plaisante brunette ». Elle se chante à la vieille façon, mais c'est tout un, la brunette est jeunette. Faut-il citer une autre vieille chanson, celle d'Alceste, cette chanson simple qui témoigne d'un art à la fois grossier, ancien et supérieur à l'art savant et frelaté d'aujourd'hui avec son style figuré et ses colifichets? La rime n'est pas riche et le style en est vieux. Nos pères tout grossiers l'avaient le goût beaucoup meilleur. Alceste confond dans la même idéalisation l'ancienneté et la simplicité naïve, comme le fera bientôt Rousseau dans La Nouvelle Héloïse, passage célèbre aussi. La plupart de ses chansons sont de vieilles romances, dont les airs ne sont pas piquants, mais ils ont je ne sais quoi d'antique et de doux qui touche à la longue. Les paroles sont simples et naïves. Faut-il évoquer Nerval, faisant des chansons du Valois dont il ne cite jamais que des bribes, un contrepoint au voyage au pays de son enfance, à ses souvenirs d'enfance, à ses plongées dans l'histoire, dans les faux sauniers puis dans Angélique, bref, l'affleurement lacunaire à la conscience d'un passé brouillé? Faut-il rappeler les lignes délicieuses où George Sand se souvient de l'impression produite sur la petite fille qu'elle était par le suspens énigmatique et mélancolique de la chanson « Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés ». Le signe du passé, c'est l'oubli. Il faut que les chansons soient fragmentaires pour qu'on les suppose à demi disparues, sur le point de se perdre. Et encore, s'est-on limité ici à l'exemple du lyrisme? Il en est bien d'autres. La rime n'est pas riche, dit Alceste, qui fait de pauvreté richesse. On voit de même les chansons de gestes se cramponner à l'assonance, alors qu'elles paraissent subir très tôt une sorte d'attraction de la rime. On les voit, face à la mode nouvelle de l'alexandrin à laquelle elle cède, parfois préserver malgré tout le décasyllabe épique. On les voit se laisser contaminer par la mode du récit romanesque, mais non sans opposer une résistance. On les voit préserver plus longtemps que tout autre genre leur identité première, comme si elles savaient que leur séduction tient à leur rugosité, comme si elles se définissaient au regard des autres genres par leur conservatisme rustique. Et Grégory Nagy a solidement étayé une hypothèse analogue récemment s'agissant de la poésie épique grecque dans sa relation au lyrisme. Dans le concert des formes littéraires, la partie épique serait celle des harmonies simples et des dissonances affectées. Harmonie et dissonance que la célèbre cantilène de Saint-Faron, qui est historiquement un faux, ce qui garantit sa vérité poétique, cultive au sein de la latinité sur le point d'éclater et avant même qu'apparaissent les lettres romanes, avec un sentiment remarquablement juste de ce que Paul Zumthor appelle l'écart. On ne peut pas se résoudre à dire « appeler ». Que ce soit dans le tableau constitué par l'ensemble des formes littéraires à un moment donné, que ce soit dans l'écart de la citation ou dans la distance du modèle dont joue une œuvre particulière. Partout, la littérature médiévale dispose les ombres, ménage les perspectives qui suggèrent la profondeur du passé. À chaque période de son histoire, une part d'elle-même affecte une simplicité archaïque et s'oppose ainsi à la nouveauté que revendique l'autre part. Elle se donne pour cela, encore une fois, l'apparence du fragmentaire et du discontinu, symptôme d'un oubli qui est lui-même la marque du passé.
et en même temps, elle joue d'effets poétiques et linguistiques supposés la placer dans le registre de la rusticitas, comme le dit Heidegger à propos de sa Cantilène de Saint-Faron. Des harjas de l'Andalousie aux chansons du Valois, nous n'avons cessé de constater que la suggestion de l'incomplet, celle de la simplicité rustique et celle de l'archaïsme étaient imbriquées. Et de tels effets nous ramènent à notre seconde proposition, que je traiterai, rassurez-vous, beaucoup plus rapidement, qui est, on s'en souvient, que la profondeur illusoire du passé s'offre également à l'ethnologue et au folkloriste. À vrai dire, notre brève cavalcade de tout à l'heure, à travers les chansons et les siècles, illustrait déjà cette proposition. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici revient à appliquer à la littérature la célèbre formule qui veut que les sociétés traditionnelles inventent des traditions afin de justifier l'innovation. Bien entendu, la permanence dans le temps de thèmes narratifs ou poétiques, comme leur extension dans l'espace, ne sont pas une illusion, mais un fait. Ce n'est pas ce fait qui est examiné ici, mais c'est la fascination qu'il exerce. Chercher dans le passé la vérité de la culture populaire et les traces de sa cohérence aujourd'hui disparue n'est pas le propre des illusions romantiques. Même l'ethnologie d'aujourd'hui, qui est pourtant peu encline à la naïveté, y renonce difficilement. L'enquêteur a toujours l'impression qu'il arrive juste un peu trop tard, que l'objet qu'il poursuit est à demi disparu, mais qu'il en subsiste pourtant des traces. Cette impression, il n'est pas le seul à l'éprouver. Ses informateurs la partagent et la lui suggèrent. Chanteurs et chanteuses, conteurs et conteuses protestent depuis toujours que chansons et contes se sont perdus et qu'ils se sont perdus récemment, qu'eux-mêmes ou qu'elles-mêmes n'en ont retenu que des bribes, mais que tout cet univers était encore vivant récemment, du temps de leurs parents, du temps de leur jeunesse. Ma pauvre mère, oui. Elle en aurait rempli un sac, le fond coupé. Mais moi, c'est parti. Les contes, je les ai laissés courir. C'est ce que Henri Pourrat fait dire à la conteuse type. À l'aube du XIXe siècle ou à la fin du XXe siècle, le discours est le même. Il tient donc plus de la représentation que de la réalité. La représentation de quoi ? Celle du passé. Là encore, l'oubli garantit l'ancienneté. L'idéologie du bon vieux temps, l'illusion que les productions de nos jours en miettes étaient autrefois cohérentes, pour reprendre des formules de Nicole Belmont, sont toujours présentes. Boas, dans un passage cité et commenté par Lévi-Strauss, observe que le mythe apparaît toujours comme une survivance et un fragment. L'objet ethnologique ne se donne sa forme sous le regard de celui qui l'étudie qu'en invitant ce regard à se porter vers le passé. Dans notre civilisation, l'ethnologue, à ce jeu, se retrouve vite dans le champ du médiéviste, lui-même exposé par les textes qu'il a sous les yeux au même vertige rétrospectif. Voilà donc l'ethnologue induit à se demander ce qu'était son objet avant le moment où il le saisit, et tenter de croire qu'il lui aurait suffi d'arriver un peu plus tôt pour que tout s'explique. De même que le médiéviste est amené à supposer que le texte le plus ancien qu'il a sous les yeux n'est que la suite, la trace, les membres épars d'un texte, d'une production orale, voire d'un mythe, encore plus ancien, perdu ou défiguré. Si seulement il connaissait la chanson de Roland qui a précédé la chanson de Roland, la chanson La légende de Tristan avant Bérulle et Thomas, la source celtique de Geoffroy de Monmouth, le livre sur le Graal que Philippe d'Alsace a montré à Chrétien de Troyes, les poèmes perdus d'Eble de Ventadour, les modèles strophiques de Guillaume IX, les chansons d'où sont extraites les harjas, comme il serait heureux. Mais voilà aussi la conteuse érigeant en indice de la tradition le naufrage de la mémoire, comme Marie de France érige en indice de la tradition l'oubli qui menace les Bretons. Voilà le mythe se prétendant démembré par le temps pour s'offrir à la sagacité de son interprète, comme les lettres antiques, toujours selon Marie de France, ont besoin de s'enfoncer dans l'ombre du passé pour qu'une glose vienne les éclairer et les parachever. Rien d'étonnant donc à ce que l'association de la littérature médiévale et de l'ethnolittérature ait survécu à l'hypothèse que l'une et l'autre seraient des productions collectives et spontanées révélatrices d'une identité nationale.
c'est que cette association était première. C'est elle qui, dans des circonstances historiques et idéologiques particulières, a suggéré une telle hypothèse, bien loin d'en découler. Elle se fonde sur l'impression que l'une et l'autre gardent la trace plus ou moins indistincte d'un passé dont la connaissance révélerait leurs secrets et qui fonde leur authenticité. Cette impression est indestructible car elle est de l'ordre du poétique. Encore une fois, elle est un effet produit par les œuvres elles-mêmes, effet rendu perceptible par le contraste avec d'autres œuvres porteuses d'un effet différent. Quelles autres œuvres ? La part de la littérature médiévale qui revendique la nouveauté, la sophistication. La littérature officielle, canonique, savante, la grande littérature, ou pour le dire plus simplement, la littérature de l'enquêteur, sans l'opposition à laquelle l'ethnolittérature ou la littérature dite populaire ne saurait être perçue comme littérature. Mais si tel est le cas, cet effet est une des composantes dont la réunion définit la notion même de littérature. C'était notre troisième proposition. Si elle est fondée, cette notion de littérature, dont la seule application au Moyen-Âge nous a paru tout à l'heure problématique, ne se dessine qu'en faisant appel à un trait particulièrement remarquable des lettres médiévales. Résumons en effet une dernière fois, promis c'est la dernière fois, nos observations. L'art littéraire de chaque époque prend soin de marquer certaines productions de signes qui les associent au passé. Ces signes inclut bien entendu ceux de la référence explicite au passé, mais ne se limite pas à eux. Ils sont aussi ceux de la simplicité et de la rusticité dans l'hypothèse implicite d'un raffinement progressif des lettres. Ils sont enfin ceux du fragmentaire, produisant à ce titre un double effet de citation et de survivance. Ils suggèrent ainsi que ces productions sont des résidus d'un ensemble enfoui dans le passé, et il prépare l'association de l'archaïque et du populaire. Les productions, ainsi marquées selon des époques, comme archaïques, comme populaires, ou comme l'un et l'autre à la fois, et qui affectent d'être hors de la mode et du temps, s'opposent à d'autres, senties comme savantes, nouvelles, à la mode, qui constituent le noyau de la vie intellectuelle et littéraire, et qui lui confèrent son éclat. Leur fonction la plus apparente à ces formes simples est de donner par contraste équilibre et relief à l'ensemble des formes littéraires et d'ouvrir les perspectives d'un enracinement et d'une évolution. Les représentations idéologiques qu'un tel système ne manque pas de susciter seraient ainsi subordonnées à l'esthétique et non pas l'inverse. Mais on pourrait aussi reconnaître à ces productions une autre fonction qui, dans l'équilibre du système littéraire, les placerait non plus en marge, mais au centre. Elle ne serait pas seulement la part d'ombre chargée de faire ressortir la lumière, mais en quelque façon la conscience de la littérature, le rappel de ce qu'elle est essentiellement. Est-il absurde, en effet, d'appliquer à l'activité littéraire en elle-même les traits qui définissent la pensée sauvage, selon Lévi-Strauss, une activité du signe plutôt que du concept, fondant largement ses effets et son discours sur l'analogie ? Rien d'étonnant alors à ce qu'elle éprouve le besoin de rappeler qu'elle a fondamentalement partie liée avec quelque chose de primitif, de même que la poésie est perpétuellement amenée à se situer au regard de l'intellectualité et à s'y affronter. Peut-être la littérature, dont la tâche est de donner aux mots leur poids, se voit-elle et se vit-elle confusément comme une lutte permanente contre le nivellement des signes du langage, comme la nostalgie d'un état ancien, ou dirait encore Lévi-Strauss, ils étaient en même temps que des signes, des valeurs, à la fois plus maladroits et plus riches que ce qu'en a fait une adéquation plus perfectionnée aux besoins de la communication. La littérature ne trouverait ainsi à chaque moment de son existence sa justification que pour autant qu'une part d'elle-même ferait ressortir par des effets de contraste la trace d'un passé sur lequel elle prétend se fonder. N'est-il pas vrai que la métaphore de l'enfance imaginative et irrationnelle des peuples, comme la conviction d'un ancrage de l'imagination dans la mémoire, pour l'exprimer à la façon de Vico, trouve leur meilleure justification dans les productions littéraires qui ne cessent de leur fournir une confirmation générale, mais aussi
un démenti particulier, une confirmation, puisqu'elle renvoie sans cesse à cette enfance et accrédite l'idée que le monde en son enfance fut composé de peuples poètes, comme le dit textuellement cette fois un axiome de Vico. Un démenti, puisque, examinées de près et prises chacune dans sa singularité, elles se situent toutes au-delà d'une telle enfance et ne la désignent ou ne paraissent en garder la trace que par un artifice conscient. Faut-il alors, revenant aux sources des études médiévales comme à celles du présent exposé, invoquer la célèbre formule de Hegel selon laquelle l'art, du point de vue de sa destination suprême, est quelque chose du passé ? Dans le cadre de l'esthétique hegelienne, hors duquel elle n'a aucun sens, cette formule signifie que depuis le christianisme, l'art n'a plus vocation à révéler la vérité du monde. Elle n'a donc, en principe, rien à voir avec les considérations auxquelles on se livre ici. Et pourtant, non seulement elle s'applique dans le découpage hegelien à la période moderne de l'art, dont le Moyen-Âge est la première étape originale, mais encore, elle suppose qu'une sorte de nostalgie est inhérente à l'art, en même temps qu'une inquiétude sur ses fins. Elle désigne ainsi conjointement et elle associe deux traits essentiels de la littérature médiévale, l'allusion insistante à son propre passé en miettes et l'interrogation constante sur sa légitimité au regard de la foi. Si l'art appartient au passé, c'est qu'il est en quelque façon démonétisé par le présent de la révélation. Un nouvel ordre de relations et de contrastes s'ajoute donc, pour finir, à celui qui a été suggéré ici. Ce n'est pas seulement une part de la poésie qui affecte d'être tournée vers le passé de manière à mettre en valeur une autre part qui revendique la nouveauté. La poésie tout entière, en tant qu'elle prétend à une vérité, se trouve rejetée par la lumière de la vérité chrétienne dans l'ombre du passé et tire de cette relégation son obscur attrait. L'effet littéraire qui oppose la suggestion du résiduel et du primitif à la revendication de la nouveauté puise sa force dans l'implication qu'une vérité gît dans le passé. Et les médiévistes y ont répondu en s'empressant de scruter la préhistoire de leurs textes. Mais le lecteur médiéval ne pouvait que mesurer cette vérité supposée à la seule vérité. De la réflexion sur le caractère propre et déconcertant de la morale païenne qui marque certaines adaptations d'œuvres de l'Antiquité, à l'effort ambigu pour constituer autour du Graal une histoire parallèle, archéologie justificatrice de la chevalerie chrétienne, du fragment d'un cri amoureux, innocent, provoquant qu'est la chanson du troubadour, au patient achèvement de couronnes lyriques à la Vierge, partout est décelable le souci avoué, voilé, parfois nié, souvent angoissé, de confronter l'amour des lettres et le désir de Dieu, pour reprendre l'admirable et célèbre formule de Don Jean Leclerc, un amour qui est nostalgie et un désir qui est espérance, l'intuition d'une réminiscence révélatrice de soi-même et l'appel à une vérité qui arrache à soi-même. L'expression sans cesse affirmée de la foi dans les lettres médiévales n'est donc pas la gangue insipide qui entoure et dissimule des pépites de pure poésie ou des indices révélateurs de mentalités profondes et de mythes engloutis, non seulement parce qu'elle permet seule de prendre la juste mesure de la relation entre la latinité et le domaine vernaculaire, mais aussi parce qu'elle accuse et redouble le contraste qui modèle le relief de la littérature en y inscrivant les lignes de fuite d'un passé en trompe-l'œil. Trompe-l'œil, illusion, la part que j'ai faite ici à l'impression est, dira-t-on, trop belle. N'a-t-on rien de plus solide à présenter ? Non ? Car rien n'est plus solide que l'impression. Certes, la connaissance positive de la littérature médiévale progresse, et c'est heureux. Date, attribution, localisation se font plus précises et plus certaines. L'histoire des textes s'éclaire. Les découvertes existent. Ne vient-on pas de retrouver 154 vers du Tristan de Thomas ? On sait Tony Hunt et Jan Short. Mais la part des conjectures reste grande, et bien des incertitudes sont définitives. Au contraire, l'impression existe indubitablement. Évidemment, elle nous trompe. Le Moyen-Âge est une époque lointaine et qui nous est devenue étrangère. S'il nous paraît proche, là est l'illusion, truisme indubitable qu'on nous répète gravement.
Mais cette illusion est vraie, puisque nous en sommes les victimes. Elle mérite d'être confrontée aux faits tels que nous les connaissons, reconstituons, supposons. Certes, les formes de la pensée et de la sensibilité ont changé, comme leur expression et comme la langue elle-même. Faut-il pour cela refuser de reconnaître que le Moyen-Âge nous reste à demi familier? Et aussi bien, s'il est vrai que la bonne distance ne se trouve qu'au prix d'ajustements successifs, contradictoires, sans cesse remis en cause, celui qui se penche sur la poésie du passé n'a pas d'autre choix, à la différence peut-être de l'historien, que de courir d'abord le risque de la proximité. Certes, il ne peut prétendre lire les vieux textes comme le faisaient leurs contemporains ou comme l'avaient prévu leurs auteurs. Il n'en est que plus miraculeux que ces textes le touchent encore. Ils le font au prix de ses contresens, ils l'induisent en erreur, mais il est vrai pourtant qu'ils l'y induisent. Partons de cette erreur, cherchons dans le Moyen-Âge et en nous-mêmes sa vérité. Une vérité toujours fragmentaire, ce fragmentaire qui est au cœur de l'art littéraire, mais une vérité dont la recherche procure pour cela même un plaisir analogue au sien. Une vérité dont nous assemblons interminablement les morceaux épars, mais dont d'autres que nous ont parfois la révélation fulgurante. Révélation décourageante pour qui consacre sa vie à tenter patiemment, pesamment, de reconstituer la visée, le sens, la saveur de ces textes lointains. Mais révélation bienheureuse, car au terme du labeur, nous n'avons pour finir d'autres ressources que de nous en remettre à elles. Il faut bien, pour finir, qu'une autre voix que celle du cuistre fasse résonner ces textes pour qu'ils suscitent la jouissance et la méditation sans lesquelles il ne peut y avoir aucune bonne raison de les lire. Il faut bien, pour finir, écouter la voix du poète. Iseux séjourne dans la salle basse, très peu claire. Sa robe a la couleur de la tente des morts, et c'est le bleu le plus éteint qui soit au monde, écaillé, découvrant l'ocre des pierres nues. La légende médiévale s'offre comme une fresque à demi effacée par le temps. Le bleu éteint, couleur du temps, s'écaille. Seul en subsistent des traces sur l'ocre de l'oubli. La faible lumière, la couleur terne est presque disparue. L'attente des morts, c'est l'oppression mortelle qui pèse sur le destin d'Iseux. C'est la mémoire menacée que les poèmes médiévaux prétendent préserver. C'est la mémoire menacée que nous gardons de ces poèmes et qui en fait pour nous le prix. C'est notre image du Moyen-Âge, chapiteau martelé, bout de fresque, émergeant sous le badigeon. Ce Moyen-Âge qui nous touche dans la mesure même où nous le percevons lointain et brouillé. C'est Iseux, mais dans une version ultérieure du même poète, du même poème, c'est l'Orante. C'est le passé de la légende et c'est l'attente de la prière. C'est un poème d'Yves Bonnefoy. Il est à craindre que la glose besogneuse des lettres médiévales ne parvienne jamais à ainsi les illuminer. Je vous remercie.